présentation d'un jeu de cartes en moins de 2 minutes est la chose la plus magique et la plus intrigante que j'ai jamais vue. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est un Anglais qui s'appelle Dominic O'Brien. Et cet Anglais, en 1993, a réussi à mémoriser 40 jeux mélangés. 40 jeux, ça représente plus de 2000 cartes. Alors, j'ai pas essayé devant vous aujourd'hui de mémoriser 40 jeux, c'était beaucoup trop long, en même temps. Mais je vais essayer de vous montrer que faire des choses incroyables avec votre mémoire. Et pour ça, j'ai l'aide d'une spectatrice qui prénom, c'est Gris, je serre la main, je suis bien. Je fais la bise. Voilà. Peut-être quelqu'un dans la salle. Donc Iris, on va utiliser un jeu de cartes par expérience. Alors pourquoi un jeu de cartes? Parce qu'il y a 72 symboles, tous différents. Ça fait déjà beaucoup à mémoriser. Et en plus, à chaque fois qu'on va mélanger ou couper les cartes, on crée un ordre différent. Donc on va mélanger plusieurs fois, et tu vas servir un petit peu de témoin en fait, hein, pour l'expérience. Tu peux regarder un de près si tu veux. On voit que les cartes sont bien imbriquées à chaque fois. Une dernière fois. Ok. Donc on a un jeu bleu mélangé. Mais un jeu, comparé aux 40 jeux de Brian, c'est pas beaucoup. Donc j'ai rajouté, pour rendre les choses un peu plus drôles, un deuxième jeu. Toujours 52 symboles. Et qu'on va pouvoir combiner encore plus. Un même traitement ici. Et en fait, on va mélanger d'abord les rouges entre elles, et ensuite avec les bleus. D'accord? Donc un jeu rouge mélangé, un jeu bleu mélangé, et maintenant on va composer un jeu avec les deux. Et donc ça va faire 104 cartes. Normalement. C'est beaucoup, hein? Alors là, c'est la phase inévitable de la démonstration. Je vais devoir mémoriser ce jeu. C'est difficile pour moi et ce n'est pas très intéressant pour vous, mais je suis obligé de le faire devant vous, sinon c'est pas crédible. Donc normalement ça prend, mais oui. Sinon, on va essayer de le faire en moins de 2 minutes. D'accord. Donc à partir de maintenant, j'ai dans la tête une image du jeu qui est sur la table et on va essayer de jouer avec cette image. Et tu vas m'aider pour ça. Je vais me retourner dans un instant pour pas du tout voir ce que tu fais, je vais pas regarder les écrans non plus. Et ce que je vais te demander, c'est de prendre n'importe quelle carte n'importe où, tu la montres à tout le monde, et tu la remets ailleurs dans le jeu. D'accord? Je vais te demander un énorme effort de mémoire. Si tu prends par exemple cette carte, il faut que tu te rappelles qu'elle était à côté de celle-ci. Tu te rappelles de où tu as pris la carte. Tu vois, c'est pas trop compliqué. Je me retourne, je vois rien, mais je vous regarde quand même, c'est plus sympa. Tu prends n'importe quelle carte n'importe où, tu la montres à tout le monde et tu la remets n'importe où ailleurs dans le jeu. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Alors peut-être que les cartes ont un petit peu bougé aux endroits où tu as choisi la carte. Est-ce que tu veux bien refermer le jeu très délicatement? Ne dérange pas l'ordre des cartes, sinon je dois tout remémoriser, c'est très bon. Si. C'est bon? Presque, c'est bon? Super. Donc tu as compris ce qui va se passer, en fait il va falloir retrouver la carte qui a été déplacée. C'est un petit peu comme le jeu qu'on a dans les magazines, des fois on a 2 photos, et lui des photos a 7 erreurs, et on doit trouver quelles sont les 7 erreurs, les 7 différences. Sauf qu'ici on a 104 éléments à comparer, c'est un peu plus long, mais on devrait y arriver. Tu as déplacé ta carte plutôt vers là ou vers là? Plutôt vers là. C'était le rapide que tu allais bouger? Oui. La vache. Oui, la vache. Il faut repasser. Et le repasser, oui. Il était à côté de quoi? Il était à côté de ce valet de cœur ici, entre la salle de cœur et le valet de cœur, il est juste ici. Waouh! Il triche, parce que peut-être il fait comme certains magiciens, il fait des calculs sur des portions de cartes, ça lui permet de savoir qu'est-ce qui a bougé. On va enlever cette hypothèse en rendant les choses beaucoup plus compliquées pour moi. D'accord? Je me retourne encore une fois. Et comme tout à l'heure, tu prends n'importe quelle carte n'importe où, cette fois, tu ne sais pas de où elle était, on ne peut pas arriver à retrouver. Donc tu prends n'importe quelle carte n'importe où, tu la montres à tout le monde. C'est bon? Et cette fois, tu ne la remets pas dans le jeu, tu vas la garder sur toi. Est-ce que tu as une poche? Quelque part? Oui, sinon tu la gardes dans tes mains.
Et tu vas prendre une deuxième carte ailleurs dans le jeu. C'est bon? Ok. Donc ces deux cartes, tu les as montrées au public et tu les as cachées, on est d'accord? Oui? Oui. Est-ce que tu viens encore une fois refermer le jeu? Très délicatement, toujours. Merci beaucoup. Et on commence. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour moi maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a deux cartes déjà, et surtout parce qu'elles ne sont plus dans le jeu. Donc je vais d'abord chercher où est-ce qu'il manque une carte, et ensuite essayer de me rappeler quelle était la carte à cet endroit-là. Il manque une carte ici. Je le dis, si je me trompe. Le 10 de carreau et le 9 de carreau, c'était un as de cœur. Oui, je peux l'avoir? Attendez la deuxième. Donc il était juste là. Et ici, entre le 8 de carreau et le valet de pique, c'était un 5 de pavé. Oui, ça. Alors, c'est très bien, mais je sais ce que tu penses. Tu penses qu'il triche. Peut-être que je triche d'une autre façon. Peut-être que j'ai un moyen pour savoir quelle est la carte que tu as touchée. Et c'est vrai que si je suis capable de faire ça, je n'ai pas besoin du tout de mémoriser le jeu. Donc, on va recommencer une dernière fois. Et cette fois, c'est très très important que tu ne touches jamais les cartes. Tu n'en approches pas du tout. Okay. Je ne regarde pas. Et toujours sans toucher, c'est très important. Tu vas regarder n'importe quelle carte, n'importe comment jouer. Tu te fixes dessus, mais ne la touche pas. Tu as une carte? Ok. Dans un instant, tu vas me donner le nom de cette carte. Et je vais essayer de te donner le nom d'une voisine. Immédiate. On est d'accord, ça peut être fait que de mémoire, parce que les jeux ont été mélangés séparément, ensuite ensemble. Elle ne touche pas les cartes, je ne regarde pas, donc il n'y a pas d'autre solution. Vas-y, je t'écoute, prends la carte. Là, tu es juste à côté du roi de cœur. Non? Non. Alors, je rappelle qu'il y a deux nœuds de cœur dans celui-là. Il y a bien un nœud de cœur à côté du roi de cœur, on verra tout à l'heure. Et il y a l'autre nœud de cœur qui est lui à côté du quatre de carreau. C'est ça, voilà. Ouais. Ici et même de faire voix de cœur, comme on l'avait dit, c'est correct. Hein.